Les premiers mots du nouveau président élu. Le nouveau président de la Fédération Ivoirienne de Football, FIF, Yacine Idriss Diallo, dans un discours officiel après son élection, décline ses premières actions. Une élection transparente. Idriss Diallo salue une élection transparente. Une élection libre et transparente, un scrutin serré où il y a eu un vainqueur, le principe de base de la démocratie. Une fois que le vainqueur est connu, tout le monde doit se mettre à ses côtés pour avancer, rassembler pour développer le nouveau président qu'on verrait dans le rassemblement avec toutes les compétences. Rassembler pour développer n'est pas seulement un slogan, mais des valeurs. Une élection libre et transparente. Notre pays a une devise, union, discipline, travail. Dans la division on ne peut rien bâtir. Dès que les choses seront mises en place, je prendrai mon bâton de pèlerin pour aller voir mes anciens adversaires. Ce sont des frères avec des compétences avérées, pour leur demander de m'accompagner dans la relance du football ivoirien. Le rassemblement sera la base de mon programme, a-t-il soutenu. À propos de l'enquête d'intégrité, selon le nouveau président de FIF, son élection n'est pas sous réserve des résultats de l'enquête d'intégrité, elle est totale. J'ai signé le formulaire d'intégrité de la FIFA, en le faisant, je m'engageais à accepter les résultats de l'enquête d'intégrité. Les résultats nous ont été communiqués hier, la veille des élections. Note de la rédaction, il n'y a pas d'élection sous réserve, la réserve a été levée. C'est au vu de cela que nous avons compéti ce jour, a-t-il éclairé.